Eh bien bonjour à vous, c'est The Valentin DJ 1. Donc oui voilà, nous revoilà enfin sur la partie 2. Je sais que vous l'attendiez avec impatience, donc voilà, la voilà. Donc la partie 2 de la préparation du fortifice. Donc on va arrêter de parler, on va commencer dès maintenant. Donc on était arrêté à ça en fait. Donc là on va terminer ce qu'on doit. Donc bah, écoutez, c'est parti. Hop là, le téléphone, putain. Hop. Donc, alors. Donc, il me reste encore deux cartons pour trois gros contacts. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Jupiter, on va lui garder une place pour lui, parce qu'en fait, c'est un sacré contact. J'ai pas envie qu'il foire celui-ci. Donc, voilà. C'est simple, c'est comme ça. Voilà, on va. Ça va être comme ça. Attendez, je réfléchis un tout petit peu. Ça, c'est le Jupiter. Et le dernier, qui est là, le dernier carton. Hop, on va mettre le bouquet final. Et le bouquet final, les voilà. Bam, bam. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que on va les mettre comme ça pour éviter que ça se croise. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que vu que c'est de l'éventail, on va éviter que ça se croise, mais bon. Je préfère prendre les risques, hein, voilà. Et donc comme ça, il n'y aura pas de soucis. Et vu du public, bah, ça se verra absolument pas qu'ils sont un petit peu décalés. Donc voilà. Et comme ça, la plateforme, elle tient bien. Voilà. Aussi le Jupiter. Voilà. Donc, merde, j'ai fait me casser la gueule. Oh putain. Et bien écoutez, maintenant on se retrouve pour scotcher les compacts un par un. C'est parti. Donc on va scotcher celui-là. En fait j'y pense, on va pas utiliser un carton rien pour le maniaque en fait. En fait je vais le mettre sur celui-là. Il n'y aura pas de problème. Parce qu'en fait je vais en mettre un comme ça. Enfin est-ce que... Voilà c'est comme ça. Un comme ça. Et un comme... Attends, est-ce que vous voyez? Non vous voyez pas, ça sert à rien. Hop là. Donc en fait je vais en mettre un là. Et niveau position, niveau voilà. Tout est bon. Donc il n'y a pas de problème, je vais faire comme ça. Comme ça, en fait, je serai quitte d'utiliser trop de cartons. Parce que niveau transport, voilà, j'ai pas utilisé un 32 tonnes quand même. Bon. Alors c'est parti. Donc celui-là, déjà on le met comme ça. Hop, hop. Donc le scotch. Le scotch, il me faut le scotch. C'est que j'ai fait une petite sorte de double face. Pour l'instant, en fait. Hop, comme ça. Et là. Attendez, je vais regarder aussi où est la mèche. Donc, question de pratique. Ok. Donc là, on le met comme ça. Hop là. Donc là, celui-là, il bougera plus. Enfin, je vais quand même me remettre du scotch en cas où. Là, sur celui-là, on a une petite plateforme qui est comme ça. Hop. Donc là, la mèche, elle est là. Donc là, la mèche, on va la mettre comme ça, voilà. En fait, voilà, je vais la mettre comme ça parce qu'en fait, je vais allumer comme ça et comme ça. Bon, en fait, je fais ça d'une question pratique. Hein. Donc, si vous trouvez ça que je fais ça, enfin, si vous trouvez un petit peu bizarre, c'est juste comme ça parce que voilà, j'ai toujours pas de table de tir. Hein. Malheureusement. Hop. Donc, écoutez, j'ai fait une petite annonce rapide et puis on. Un peu moins long pour thank you.
maintenant, pour éviter que ça prenne trop de place, en fait, on va mettre le bouquet final directement tout ici. Donc le Jupiter et les deux autres éventails, je pense que ça va être largement suffisant. Donc voilà. Donc en fait, je vais mettre ça au frais comme ça. Hop et hop. Comme ça et comme ça. En fait, je vais en mettre un au bord, comme ça. Attendez, vous voyez mal. Vous voyez mal. Voilà, c'est mieux. Donc le Jupiter, il va être très bien au fond comme ça. Donc bien sûr, retourner comme ça pour la mèche. Comme ça. Et là, la mèche, il est où? La mèche, elle est là. Donc la mèche, elle est là. Donc on fait demi-tour comme ça. Voilà. Donc celui-là, je vais le coller comme ça. Et celui-là, comme ça. Comme ça, dans l'axe, il n'y a aucune bombe qui pourra se toucher. En cas où. Bien entendu. Même si je sais que c'est improbable. Mais bon. Voilà, donc c'est parti. On scotche tout ça. Et là, on scotche bien. Parce que là, c'est du gros. Hein. On va faire n'importe quoi. Et voilà. Ouh. Ok, d'accord. On va s'écouter, bah c'est bon. Ouais, on va faire une petite vidéo ensemble. Enfin, plutôt que... Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc j'espère que vous voyez un petit peu quel plateau. Donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc voilà. Donc en fait les deux plateaux là vont être sur les 10 mètres. Le plateau qui est tout seul là aux 15 mètres et le bouquet final, enfin la partie où il y a le bouquet final, 35 mètres. Donc voilà, j'ai fini toute la préparation, et puis ensuite, bon ça je ne le montre pas en vidéo, bon ensuite je vais juste décoller les mèches le jour J, voilà. Donc voilà, donc je vais un petit peu vite fait, une minute, vous expliquer comment ça va se dérouler. Je vais essayer de tout filmer avec la GoPro et tout, donc ce que je mets dans la voiture, machin, je vais essayer, je dis bien. Et bien sûr, vous allez voir le feu d'artifice d'une bonne qualité, voilà. J'ai filmé avec mon portable et non pas avec le Canon parce que le Canon des fois il change d'autofocus donc des fois c'est flou et ça j'aime pas vraiment, enfin même j'aime pas du tout. Donc je vais quand même filmer avec le Canon pour avoir le son qui sort du micro là parce que c'est un très bon micro et je mettrai le son du téléphone. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout sera filmé et on se retrouve eh bien maintenant pour le 14 juillet. Allez, très bon pétard à vous. Très bon feu d'artifice à vous, profitez bien, attention, faites bien attention ce jour-là, et normalement tout devrait bien se passer, respectez les distances de sécurité, les fixations, et tout ça. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, c'était Zer, t'as dit 1, et on se retrouve pour le 14 juillet, allez, à plus tard.